Je dis à faire nous 10 sit-in devant le ministère de commerce. Mon cap dirige le ministère de commerce là, qui c'est Kofi Jonas, il n'y a pas tant de la raison, il n'y a pas tant de monde qui à travers tous 10 départements pays. Il n'y a pas tant de chauffeurs motocyclettes, il n'y a pas tant de petits machins, il n'y a pas tant de chauffeurs machines. Je dis à nous, même ensemble, organisation politique de l'opposition, qui a fait une bataille pour la population. C'est pour toutes les raisons qui fait que nous faisons 10 sit-ins devant le ministère ça, pour nous dire que Kofi Jonas fixe le prix pour les produits de nécessité. Parce que je dis à nous vivre dans le pays, il n'y a pas de monde qui a le pouvoir d'achat. Je dis à si la population qui ne parle pas de marché, parfois, si on oblige elle, par contre, qui s'en va acheter avec lui. Je dis à c'est dans ce sens ça nous dit faut que Kofi Jonas mette prix sous sac d'huile pour nous. Sous galon l'huile pour nous, sous pâte banane pour nous, sous sac ciment pour nous, sous tol pour nous, sous bas de fer pour nous, c'est une façon pour la population capable de nous souffre. Parce que je dis à la population, pas de pouvoir d'achat, population a couché à l'abdomen à la belle étoile, population pas de qui crier, pas de personne, monde, son pays pas gouverné. Et bien je dis à nous, même ensemble, organisation politique de l'opposition, qui ses yeux peuple avec oreilles peuple, et bien nous dit, ouais, pas ouais. Il faut que le prix du premier nécessité descende définitivement pour que le peuple soit capable de nous souffrir. Je dis à le peuple qui a une oppression, il n'y a pas de coronavirus, le peuple a mouton massif, il n'est jamais fini. Mais c'est dans ce sens que nous-mêmes, nous ne pas venir gourmer avec personne. Nous ne pas venir gourmer ni n'en parler en pile. Revendication de la population avec tous 10 départements du pays, même dans la communauté internationale, c'est le prix du produit premier nécessité. C'est ça que fait matin, nous réinstaller prix ça encore. Son façon, ça fait un deuxième message. Ça fait un dixième message pour vous avec Kofi Jonas. Si vous avez de la raison, dans le jour qui vient, cadenas avec chaîne, la population a venu fermer le ministère ça. Comme ministère qui n'est pas utile, comme ministère pays nous qui n'est pas utile, comme ministère pays nous qui n'est pas utile population, eh bien, la population a venu fermer notre titre pas trop loin. Parce que je dis à Kofi Jonas, pas qu'à répondre avec des idées à votre population. C'est ça que fait nous devant le ministère du commerce. Et bien, dans l'autre semaine, nous dit bataille là toujours pour continuer devant Bokyo, devant toute Bokyo dans le pays, parce que nous dit faut que le dollar américain descende. Et dans l'autre jour, nous dit 5 gouttes, libre à l'égal à 10 jours. C'est là que nous avons besoin de venir tout le cas avec tout le monde. Nous dit dans l'autre semaine, 10 jours. Si Jean-Baptiste dit, bravo, attendez la raison. Dans l'autre semaine, 10 jours. 5 gouttes de l'égal à tous les jours. C'est ça que nous demandons seulement, c'est ça que nous voulons demander, c'est ça la population nous demande. Merci de la presse.
L'ensemble des organisations politiques de l'opposition, présents une autre fois encore devant le ministère du Commerce, parce que nous disons ministère du Commerce en tant qu'institution, il a un organe de contrôle qui l'a pour vérifier, qui l'a pour contrôler tout type de produits qui ont circulé sur le marché national. Eh bien, direction de vérification de contrôle de qualité qui gagne dans le ministère du Commerce, là, eh bien, il faillit à mission aujourd'hui. Eh bien, c'est ça que fait. Nous-mêmes, dans l'ensemble des organisations politiques de l'opposition, nous dit le fait que le ministère ça faillit à mission, côté que actuellement, les produits importés représentent une menace nationale pour les consommateurs finaux. Raison. Parce que l'un après exemple produits pharmaceutiques, à chaque fois yo expiré, eh bien, moun ka vend produit sa yo, y a no espace, yo fait sa yo rele on bagay ki rele tag sous produit sa yo, yo retire ancienne date expiration, hein? Yo mette une nouvelle date d'expiration. Il en est de même pour moun ka vend lettre yo. Eh bien, je dis, hein, nous-mêmes dans l'ensemble des organisations politiques de l'opposition, malgré la bataille, nous menons une bataille pour que tout prix produit première nécessité baisse parallèlement à taux dollar qui baisse. Mais nous dit le fait que le ministère du Commerce faillit à mission de contrôle, à mission de vérification qu'il a dû gagner sous produit première nécessité, sous médicaments et la trier, eh bien nous exiger démission pressée. Jonas Kofi comme tchoul, comme esclave à talent qui est au service de Tchakonte, de Bongou, de Méga et Latrier. Donc je dis, hein, nous faisons une énième exposition ça, c'est pour nous fixer prix produit première nécessité yo, par rapport à taux dollar qui baisse. Nous disons 6 dollars 124 gouttes pour un dollar américain. Je dis, hein, à 62 gouttes pour un dollar américain. Ça veut dire taux dollar a baissé de 48 à 50%. Eh bien, nous disons si taux dollar a baissé de 48 à 50%, il faut que produits premiers nécessités, yo, prix yo doit baisser de 48 à 50% parallèlement à dollar. Eh bien, nous disons prix sac du riz qui c'est 18 mamites là, actuellement prix c'est 1000 gouttes. 9 mamites là doit vendre 500 gouttes, 4 mamites là doit vendre 250 gouttes. Sac poids 18 mamites là doit vendre 1000 gouttes, 9 mamites là doit vendre 550 gouttes, 4 mamites là doit vendre 250 gouttes. Sac farine 18 mamites là doit vendre 750 gouttes et petit sac 9 mamites là doit vendre 375 gouttes. Sac sucre 18 mamites là doit vendre 750 gouttes et petit sac 9 mamites là doit vendre 375 gouttes. Galon l'huile 150 gouttes. Sac ciment 150 gouttes. Bas fait 3K 150 gouttes. Fait 1,5 125 gouttes. Fait 1K 75 gouttes. Tol 10 pieds 75 gouttes. Fait tol 6 pieds 35 gouttes. Camion sable moulin 5000 gouttes. Camion sable bouillie doit vendre 750 gouttes. Sac engrais, parce que nous parlons de production nationale, nous devons renforcer. Sac engrais actuellement doit vendre 240 gouttes. Sachet spaghetti 10 gouttes. Caisse prestige 600 gouttes. Caisse Guinam 300 gouttes. Caisse Malta et 300 gouttes. Caisse Guinness 800 gouttes. Caisse Poulblaï 1000 gouttes. Sachet de l'eau 30 gouttes. En gros, c'est ensemble des prix ça yo. Et bien nous-mêmes dans l'ensemble des organisations politiques de l'opposition nous fixer. Et nous avons fini pour nous dire gallon gasoline non. Les dollars étaient 124 gouttes pour 1 dollar américain. L'été vend 224 gouttes. Je dis, hein, nous besoin 62 gouttes pour un dollar américain. Eh bien, nous dit, gallon gasoline doit vendre 116 gouttes. Gallon diesel, 75 gouttes. Gallon kérosène, 50 gouttes. Donc, nous dit, prix ça, yo doit respecter à la lettre. Et dans la mesure où le ministère du Commerce trouve dans les capacités, dans les possibilités, pour que les fixer, les baisser, prix produit première nécessité et carburant, eh bien nous-mêmes, nous allons accompagner le peuple là dans les heures qui viennent pour que nous fermions le ministère commerce
qui pas utile population en rien, parce que si ministère commerce qui t'a dû là pour vérifier tout produit qui a circulé sur marché local là pour fixer prix pour contrôler est-ce que de bonne qualité, il faille à mission, eh bien je dis hein, peuple l'apral. Très bientôt, peuple va fermer le ministère du Commerce. À bon entendeur, salut. Les organisations politiques de l'opposition présentes devant le ministère du Commerce et de l'Industrie pour nous devine fixer le prix pour les premières nécessités par rapport à 9 sites qui ont organisé déjà. Et je dis à faire nos 10e site nous devant le ministère du Commerce. Côté que nous avons commencé la bataille là et devant BH pour nous demander pour la Jamaïcaine descendre. Et si la Jamaïcaine descend, c'est grâce avec la bataille par nous, ensemble avec l'organisation politique de l'opposition, Petit Dessaline, qui a gouverné dans le pays, ensemble avec d'autres organisations encore, qui dit que faut la Jamaïcaine descend. Et si la Jamaïcaine descend, un peu de monde dans la population haïtienne, n'a pas de bravo pour nous. Je dis nous, eh bien, faut que produits pour les nécessités descendent. Eh bien, nous sommes venus devant le ministère du Commerce, nous faisons plusieurs sit-ins, nous parlons avec Jonas Kofi. Jonas Kofi, je dis à la, nous venons traiter, nous avons Jonas Kofi et de rester avec, parce que son ministre et, qui se tutelle le secteur privé, le secteur économique, là, parce que il n'y a pas jamais dit un mot. Dernièrement, l'aller dans Canes Construction, la regarder comment prioriser, mais c'est pas ça qui intéresse nous. Nous pas dit Jonas Kofi pour aller dans maquette, pour aller dans marché public, pour aller dans Titoni, pour aller l'autre côté encore, pour regarder comment pour fixer. Mais c'est lui-même qui pour dire voilà par rapport au taux de l'américain, mais comment que pour dire et fixer. Lorsque je dis garde un gasoline dans tes comptes vendre 224 gouttes, je dis arrive 201 gouttes, et bien ça pas suffisant pour nous-mêmes qui est dans la population haïtienne qui a souffert, parce que je dis la population haïtienne aux abois, il y a en bas insécurité, il y a tiré, il y a quitté zone, quand c'est passé Belé, La Saline, Tokyo, Maya et Gravine, et mon pas capable encore aux abois. Yo non, je veux dire un phénomène kidnapping qui va les terrains. Eh bien, population Macron qui sait pour relais. Eh bien, nous-mêmes qui dit que population en souffrance, population en grand goût. Eh bien, faut que, eh bien, la population haïtienne a l'on souffre. Et ça fait que, où est que nous portons quoi? Quoi ça symbolise la souffrance de la population haïtienne? Quoi ça symbolise quoi de l'ignorance du gouvernement en place là? Parce que nous disons gouvernement ça, ce gouvernement anti-peuple, anti-changement, qui pas où est la population haïtienne, non, oui. Qui dans la boue, qui dans la crasse. C'est pour cette raison, eh bien, nous venons là, devant le ministère du Commerce là, pour nous dire avec Jonas Kofi, ils sont ministres, reste avec, ils sont ministres d'esclaves mentales. Qui va arriver en sérieux, c'est démissionner pour démissionner dans tel ministère ça. Et ça fait que je dis à nous là, si Jonas Kofi pas yo esclave mental, c'est pour que les carrefours que nous fixons jour et jour pour mettre à la lettre. Par exemple, 15 milliards, nous avons 800 gouttes pour la population qui cabre bien chaque jour, parce que c'est ça yo jouen pour amuser yo yo jouen pour jouer pour boutier la doit vendre 35 gourdes pour dire bien doit vendre 15 bien vendre doit vendre 800 gourdes ça dit rien doit vendre 1000 gourdes pour population haïtienne allons sous. Et ça fait que nous dit Jonas Kofi si ni pas on reste avec vraiment vrai de secteur privé de secteur économique là, eh bien lui doit bailler une réponse avec proportionnel de conférences jeudi à nous faire et 10e sitting ça que nous organisons devant le ministère du Commerce. Voilà la raison pour laquelle que ensemble organisation politique de l'opposition répond presque encore le 10e sitting ça pour nous parler avec Jonas Kofi qui sont un esclave mental qui sont restés avec de la communauté et internationale parce que plus fort importation qu'a fait Junior Jodi en deux pays, nous connaissons, c'est la famille Bill Clinton qui a fait 18 peuples en deux pays, c'est ce que la production nationale a crasé en deux pays. Et nous vivons dit, à bas 18 peuples, vive la production nationale et à bas confirmé, ministre reste avec. Et nous dit que faut qu'il y ait l'autre changement de pays. Et nous dit à bas gouvernement, et de facto ça, gouvernement anti-peuple anti-changement ça, et jusqu'à ce que nous va joindre
pour Jovenel Moïse qui dit démission sans condition avant 7 février 2021 en deux pays. En bon entendeur, salut et n'a profité pour nous dire à la presse, rendez-vous, n'a toujours bien cité chaque mercredi, mais plus gros rendez-vous, c'est 18 novembre, place Papa des Salines pour finir devant l'ambassade américaine.